Ah, les sauropodes, les dinosaures à long cou, parmi mes favoris. À ce propos, je vais vous conter une petite histoire, l'histoire de l'évolution de ces extraordinaires animaux. J'étais à deux doigts de vous faire une présentation type Madame Garrison. Du coup, ce poisson à la con a fait d'autres poissons mal formés. Mais vous n'êtes pas prêts. Allez, suivez-moi. Remontons le temps jusqu'au Trias supérieur, au Carnien plus précisément, il y a 230 millions d'années. Aux abords de ce supercontinent pangé, dominé par des terres arides, se déplaçaient de petits animaux tels Saturnalia. Environ 1m50 de long pour une dizaine de kilos, probablement carnivores ou omnivores. Et oui, la situation basale du nourrissage chez les dinosaures, c'était la carnivorie, a priori. Le végétarisme n'apparaissant que secondairement. Des études démontreraient que le raccourcissement du crâne chez des animaux comme Saturnalia, lié à l'allongement du cou, aurait été efficace afin de réaliser des mouvements rapides, permettant de capturer deux petites proies. De plus, l'étude de l'endocrâne et de la morphologie dentaire appuierait cette théorie. Des modifications dans la morphologie de l'appareil alimentaire des sauropodomorphes basaux ont ensuite permis l'acquisition d'un régime passant de carnivore-omnivore à végétivore plus tardivement. À la limite Trias-Jurassique, un renouvellement floral aurait apporté à nouveau d'autres modifications. Ils vivaient dans l'actuelle Amérique du Sud. À la toute base des sauropodomorphes, cette lignée a récemment divergé des premiers saurischiens, sans doute une dizaine de millions d'années auparavant. Nous voici en présence d'animaux qui, par leur morphologie, longue queue, long cou, petite tête, capacité potentielle à la quadrupédie, prédisent l'émergence de ce tout nouveau sous-ordre que sont les sauropodomorphes. C'est aussi à ce moment que se mettra en place l'un des caractères les plus importants chez les dinosaures, les sacs aériens, participant notamment à la respiration, ainsi qu'à l'allègement du squelette, condition que l'on retrouve encore chez les oiseaux actuels. On retrouve déjà des indices de ce caractère chez des animaux comme Macrocolum, il y a environ 225 millions d'années dans l'actuel Brésil. Si vous souhaitez en apprendre plus sur les fonctions des sacs aériens, j'en parlais déjà dans la première vidéo sur le gigantisme chez les ptérosaures. Vous pourrez trouver le lien en haut à droite de la vidéo. Mais en gros, les sacs aériens sont entrés en fonction dans la respiration des dinosaures et notamment des sauropodes et théropodes, et dans l'allègement du squelette, permettant une augmentation conséquente du volume corporel. Avec ce spécimen, on s'est notamment rendu compte que l'évolution des sacs aériens chez les sauropodomorphes n'avait pas été linéaire. Jusque-là, on pensait que ces organes étaient d'abord apparus dans la région abdominale des sauropodes basaux. Mais avec Macrocolum, on s'est rendu compte que de possibles sacs aériens se développaient déjà dans la région cervicale chez des sauropodomorphes du Trias supérieur. Si nous avançons dans le temps, il y a un peu moins de 210 millions d'années durant le Norien, nous voici à présent dans ce qui sera plus tard l'Europe, une terre peuplée de petits proto-mammifères, de ptérosaures, de dinosaures théropodes de petite taille, et où peu à peu, les vieux archosaures et dicynodontes voient leur règne décliner. C'est dans cet environnement que se meuvent des troupeaux d'animaux comme Plateosaurus, se déplaçant d'ores et déjà sur leurs quatre membres, la transition entre les premiers sauropodomorphes et les futurs sauropodes devient flagrante. De plus, ceux que l'on a appelé longtemps les prosauropodes ont gagné en taille. Plateosaurus mesure environ 10 mètres de long pour les plus gros spécimens. À la même période, des animaux tels que Ingentia ou Antetonitrus donnaient naissance à la lignée des sauropodes en Argentine et en Afrique du Sud. Les animaux de ce type étaient adaptés à la quadrupédie exclusive, pesant déjà plus de 10 tonnes et dépassant les 12 mètres de long. Tous ces animaux ne font plus de doute quant à leur végétarisme. Si l'on fait à nouveau un petit bond dans le temps, afin d'arriver à la transition Trias-Jurassique il y a plus ou moins 200 millions d'années, les environnements ont bien changé et une crise d'extinction permet aux dinosaures de prendre véritablement leur essor. Nous allons y rencontrer des animaux qui seront les piliers de l'avènement des sauropodes géants que nous connaissons tous. Vulcanodon est un parfait exemple de sauropode primitif de cette période. Retrouvé au Zimbabwe, ses restes nous informent sur le chemin que vont prendre les membres avant des sauropodes plus dérivés, se muant en colonne pour se tenir la masse de plus en plus importante des représentants de cette lignée. La quadrupédie ne fait plus de doute. C'est là l'émergence des Gravisoria, un clade qui inclut les vulcanodontidés et genre primitif proche. Gravisoria signifie lézard lourd, ce qui laisse présager l'évolution des sauropodes vers des tailles et des masses de plus en plus gigantesques. On remarque cette évolution via des synapomorphies chez ces animaux, telles qu'une asymétrie de la tête du fémur ou condyle fémoral. On observe également une forme d'asymétrie dans la largeur des vertèbres de ces dinosaures. Ce sont des caractères qui sont prioritairement mis en avant lorsque l'on veut reconnaître un sauropode Gravisoria. Des animaux tels que Tazoudazorus, décrit par Ronan Alain, un paléontologue français, donneront naissance aux Gravisoria.
et leur groupe frère les eusauropodes, traduisible par vrais sauropodes, qui à partir d'animaux tels que Barapazaurus, il y a environ 180 millions d'années en Inde, et Chunosaurus, il y a 159 millions d'années en Chine, et avec des tailles allant jusque 18 mètres de long, démarre la grande expansion des sauropodes à travers les continents et le temps jusqu'à leur disparition il y a 66 millions d'années. On sera aussi passé par un autre groupe frère des eusauropodes entre la fin du Jurassique et le Crétacé inférieur avec les thuriasaures qui ont pu donner de véritables géants ayant vécu entre les actuelles Europe et Amérique du Nord. En ce qui concerne les eusauropodes, donc la branche qui va nous donner le plus grand nombre de sauropodes connus, nous verrons apparaître durant le Jurassique les fameux mamenchisauridés asiatiques et leur cou extrêmement long. Apparaîtront dans le même temps les néosauropodes, traduisibles par nouveaux sauropodes, qui donneront naissance aux diplodocoïdes, les dinosaures emblématiques du Jurassique d'Amérique du Nord et d'Afrique avec Diplodocus, Apatosaurus ou encore Rebachisaurus ou Dicreaosaurus, et aux Macronaria, où l'on retrouvera Camarasaurus, Brachiosaurus, ainsi que les fameux titanosaures qui donneront naissance aux animaux parmi les plus lourds ayant foulé le sol à notre connaissance durant le Crétacé supérieur d'Amérique, d'Afrique et d'Asie, comme Argentinosaurus, Alamosaurus, Patagotitan, etc. Je vous laisse un arbre simplifié pour que vous vous y retrouviez dans toute cette histoire. Pour reconnaître un sauropodomorphe, vous pouvez vous baser sur quelques caractères diagnostiques des synapomorphies comme la présence de larges narines, la partie distale du tibia est couverte par une extension de l'astragale, leurs pattes arrière sont relativement courtes comparées à la longueur de leur torse, la présence d'au moins 10 vertèbres cervicales généralement allongées, la présence d'au moins 3 vertèbres sacrées et une main avec un grand doigt numéro 1. Voilà, c'est tout pour moi, j'espère que vous avez bien tout compris. Moi je vous laisse pour cette fois, je vous dis à la prochaine, de nouvelles vidéos sont à venir, je vous laisse liker, commenter, partager, ça fait vivre la chaîne, ça me donne de la visibilité, je compte sur vous, merci beaucoup, ciao !